Oh là là, je sais même pas pourquoi il n'y avait pas la suite. En gros, la suite, c'est quoi? Ben, j'en parlais avec Farah, je disais, ouais, c'est comment? Trouve-moi un plafond, voiture, tout ça, t'en as une, tu connais, tu peux me trouver des petits plafonds et tout. Et elle, elle cherche avec moi. Mais elle fait semblant de chercher avec moi, mais jusqu'au bout. Ah, je sais pas, bâtard, je sais pas, je vais essayer. Essaye le bon coin, essaye des trucs. Elle me dit, essaye des trucs, tout ça, tout ça. Mais en fait, elle était dedans. Et le jour J, ben voilà, cadeau de fou et. Et bah merci même à Farah. Et merci sans merci en fait, je sais pas. Et tu joues bien Farah, t'es forte. Et je vais même vous raconter une anecdote. Il y a super longtemps, pour vous dire, hein, je suis pas là à prouver, je sais pas quoi. Ceux qui connaissent vraiment les vrais, 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 savent que je suis à Saint-Jacques depuis longtemps. Mais Nasser, moi, il me snappait pas. J'étais un peu le proche de la team, tu vois. Il me snappait pas, etc. Un jour, il vient me voir, j'étais en galère. J'étais en galère, mais je me débrouillais tout seul. Je demandais rien à personne. Il est venu me voir, il m'a dit ça c'est à toi. Appartement, terrasse privatisée, jacuzzi, et il a pas snappé ça. Il a pas snappé. Et il me snappait pas. Donc ouais, ceux qui vont dire ouais, c'est parce qu'il voulait t'utiliser, je sais pas quoi. Il me snappait même pas. Et je suis resté des mois et des mois et des mois dans cet appart. C'est un mec, et vous savez même pas comment il donne. Quelqu'un il va le voir, s'il te plaît, tu peux me donner 500 euros, je vais en vacances. Il va les donner sans snapper aussi. Il faut savoir que ce type, c'est. Il a un cœur incroyable, je sais pas comment c'est humain d'être comme ça. Et là, il m'a offert le Merco, pareil, je lui ai rien demandé. Je lui ai rien demandé et je pense même que c'est pour ça qu'il nous l'a offert à Lorena et moi. On lui a jamais demandé, mais on est toujours reconnaissant envers lui. Et franchement, c'est un homme comme ça et je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire à part encore merci mon frère. Merci pour tout ce que t'as fait, pas que pour le Merco. Je vais faire une comparaison un peu chelou. Mais marchez dans mon délire, vous allez comprendre. C'est comme si je vous parlais d'Mbappé. Là, vous allez me dire, ouais, il abuse, tout ça, tout ça, tout ça. Non, regardez, Mbappé, on est d'accord, il est trop fort au foot. Faut dire la vérité, il est trop fort. Il fait des actions de fou, triplé, finale, il porte l'équipe de France. Mais quand il fait des matchs normaux, on dit qu'il est nul parce qu'il fait pas assez, tu vois. On dit qu'il est claqué, il est éteint, ça y est et tout. Ben Nasda, c'est pareil. Il donne tellement d'argent, il est tellement bon avec tout le monde. Il a tellement donné d'argent à tout le monde ici. Même ici et autre part, que quand il donne pas d'argent, c'est un enculé, c'est un bâtard, il pense qu'à lui, c'est un égoïste, il oublie, il est devenu obligé de donner de l'argent. Vous voyez? Et en tant que. En fait, il faut être un proche à lui, un vrai proche à lui, pas un proche pour le gratter, faut être un proche à lui pour le voir et le constater. Eh, j'imagine pas, moi je serais Nasdaq, c'est même pas les cheveux que je me serais arraché, je sais pas.